Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exemple inverse pour la nomenclature des alcanes. Au lieu de trouver le nom à partir de la représentation de la molécule, eh bien l'idée ici, c'est de représenter la molécule connaissant le nom. Donc on commence par ce premier exemple. Ce nom, il a l'air bien compliqué, mais on va voir que si on agit de manière assez systématique et avec méthode, eh bien on arrive assez facilement à dessiner cette molécule. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer de quel type de molécule on a affaire. Et ça, c'est donné dans la terminaison. Donc on a la terminaison ane, ce qui veut dire qu'on n'a que des liaisons simples entre les carbones. On a un alcane. Ensuite, pour savoir combien on a, on regarde ce qui est écrit devant. Donc devant, on a un hexadec. Et hexadec, hexa pour 6, dec pour 10, donc c'est 16 carbones. Et enfin, on a le préfixe cyclo. Donc on va avoir un cycle. Donc 16 carbones dans un cycle. Donc c'est pas évident à dessiner, enfin on va essayer tout de même de dessiner un cycle à 16 carbones. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a bien 16 carbones. Ensuite, si on continue à regarder le nom de la molécule, eh bien on a devant du cyclopentyle sur le carbone 1, de l'éthyle sur le carbone 6, et puis on a du 2,9 diisopropyl, là, donc sur le 2 et le 9, on a aussi quelque chose. Donc la première chose à faire, c'est de numéroter la chaîne carbonée. Et quand on part comme ça du nom de la molécule, et qu'on a représenté la chaîne principale, eh bien on peut commencer n'importe où pour numéroter la molécule. Donc je prends cet ordre-là. Donc voilà pour la numérotation. Alors je continue avec ce qu'il y a sur mes différents carbones. Donc sur le carbone 1, je vais avoir du cyclopentyle. Donc j'ai pente qui correspond à 5 carbones, il pour la terminaison et cyclo pour un cycle. Donc je dois représenter un cycle à 5 carbones. Donc c'est un pentagone que je relie à la chaîne principale au carbone numéro 1. Ensuite sur le carbone 6, j'ai un groupement éthyle. Un groupement éthyle, éthyle c'est eth, eth c'est deux carbones. Donc deux carbones reliés à la chaîne principale au carbone numéro 6. Enfin sur les carbones 2 et 9, j'ai du diisopropyl. Propre c'est pour trois carbones, iso c'est pour une forme en Y. Et enfin ici le di ça veut simplement dire qu'on a deux groupes isopropyl sur les carbones 2 et 9. Donc sur le 2 et sur le 9, je vais représenter la forme en Y, reliée à la chaîne principale. Donc voilà pour ce premier exemple. On passe à l'exemple suivant, le 3,699 tétraméthyldodécane. Donc dans la même manière, j'identifie ma chaîne principale en regardant la fin du nom de la molécule. Donc ici, j'ai la terminaison ane qui m'impose des liaisons simples entre les carbones. J'ai un alcane. Combien j'en ai? Eh bien, je regarde ce qu'il y a devant. Devant, j'ai le préfixe dodé. Dodé, do pour 2 et dec pour 10. Donc ici, j'ai 12 carbones. Donc j'ai 12 carbones alignés que je représente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et sur les carbones 3, 6, 9 et 9, je dois mettre des méthyles. En effet, on se rappelle ici que le nom tétra, en fait, est redondant avec la numérotation ici des 4 carbones. Tétra veut dire que je dois mettre 4 fois un groupement méthyle. Donc avant tout, il faut que je numérote la chaîne. Et puis, comme précédemment, l'ordre dans lequel je la numérote n'a pas d'importance ici. Donc sur les carbones 3, 6, 9 et 9, deux fois. Donc sur le 3, ici. Sur le 6, ici. Et sur le 9, ici. Deux fois, je dois mettre un groupement méthyle. Le préfixe met ici, c'est pour un carbone. Donc sur le 3, je dois mettre un carbone. Sur le 6, un carbone. Et sur le 9, je dois mettre un carbone, mais deux fois. Donc je relie à ma chaîne principale mes substituants. Donc voilà pour le 3699 tétraméthyldodécane. Le troisième exemple voici, il est donné en nomenclature systématique cette fois-ci. Pour représenter la molécule, eh bien, je me procède de la même manière, j'identifie la chaîne principale. Donc ici, j'ai du cyclopentane. Donc pente, qui veut dire 5 carbones, ane, c'est un alcane, que des liaisons simples entre les carbones, et cyclo, qui est pour le cycle. Donc j'ai 5 carbones en un cycle avec que des liaisons simples, donc je représente un pentagone. Et je numérote mes carbones pour pouvoir positionner mes ramifications. 1, 2, 3, 4, 5.
Et pour l'ordre dans lequel je numérote mes carbones, c'est totalement arbitraire. J'ai le droit de choisir le sens que je veux. Ensuite, sur les carbones ici, 1 et 3, 1 et 3, je dois mettre deux groupements identiques, c'est indiqué par le terme bis, et ces groupements, c'est du 1,1 diméthyl-éthyl. Pour représenter ce groupement, eh bien, je regarde la fin du nom pour avoir la chaîne principale. La fin du nom, c'est éthyl. Donc, éth, c'est deux carbones. Donc, je représente deux carbones au voisinage du carbone 1 et du carbone 3 de la chaîne principale. Ce groupement éthyl est numéroté. Et le carbone numéro 1, c'est celui qui va être rattaché à la chaîne principale. Et sur ce carbone numéro 1, je mets deux fois, à cause du di, un groupement méthyl. Et le groupement méthyl, c'est un carbone. Et donc, je vais le mettre deux fois. Donc, j'ai un premier groupement méthyl sur le 1 et un deuxième groupement méthyl sur le 1. Et je relie tout ceci à la chaîne principale. Voilà pour le 1,3 bis, 1,1, diméthyl-éthyl-cyclopentane. On va donner maintenant le nom d'usage de cette molécule. Eh bien, le 1,1 diméthyl-éthyl, on reconnaît ici que le carbone qui est relié à la chaîne carbonée principale est relié à 3 carbones. C'est donc un tertiobutyl ou un terbutyl ou un tébutyl. Donc, à la place du 1,1-diméthyl-éthyl, on va mettre tébutyl. Et comme il y en a deux, eh bien je vais mettre un di-tébutyl sur les carbones 1 et 3. Et enfin, il me reste à terminer par la chaîne principale qui n'a pas changé, qui est le cyclopentane.